remonter le premier élément de métal. J'attends qu'il me donne l'ordre et c'est parti. Il m'a dit d'y aller mollo, bon j'y vais en première. Putain, mais ça va rentrer ça. Ouah, c'est tendu comme truc un peu là. D'accord. Et je la remets comme ça et juste il boulonne en bas. Est-ce que vous voulez que je vous le redresse? Autant qu'ils me disent rien, je fais rien. Parce que pareil au moment où je décide de le redresser à gauche, l'autre il décide de foutre ses doigts dessous. Je lui éclate les doigts. Donc c'est pas droit, mais tant qu'il me dit rien, je bouge pas quoi. Je ne vais pas inventer, j'ai jamais fait ça, je vais pas commencer à y mettre mon grain. Et là c'est tout tordu. Il va peut-être me demander de le redresser après. Voilà. Est-ce que c'est parce que je suis pas d'aplomb? Est-ce que c'est parce que j'ai trop moulé? Je pense que c'est un peu des deux. Demander de le redresser. Aïe aïe aïe. T'es sûr? Il tombe si je le baisse, il tombe. Il faut le faire tomber comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc? Mais ça bouge les pieds ou quoi? Ah c'est pas droit. Ah je crois que c'était ce truc style poteau de rugby à la verticale. Non en fait c'est un truc tordu, ça va faire une espèce de voûte. Hein, ou... D'accord. En fait c'est exprès que ça tombe et que c'est pas droit. Je croyais que c'était moi et non en fait. Et là, je vais mouler, ça va rester comme ça. Ah, ça a l'air d'être ça, hein. Bon. Et ma foi, pourquoi pas.
Oh, c'est un sacré truc, ça aussi, ouais. Et ils ont même pas une boulonnaise, les types. Ils servent tout à la main. Petite boulonneuse, ça faciliterait quand même le travail. Hein. Parce que là, il y a 8 boulons à serrer sur chaque truc. Là. Oh là là, je moule comme ça va tenir. Là, je peux faire une seule chose, c'est leur faire confiance. Ben ouais, vous avez un truc qui tient comme ça tout tordu. Il monte à combien lui? Hein? Commence à monter, oui, de toi. Il est de plus en plus haut là. Est-ce qu'on enchaîne? Et faire attention à celui qu'on vient de poser, quoi. Descends doucement, visez bien les gars. Il n'est pas simple ce métier non plus, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il visse d'abord les premiers pendant que je tiens, après je baisse, il visse derrière, d'accord. Ok, j'avais pas vu comme ça tout à l'heure.
Et les maçons, vas-y, cassez-vous de là, va pareil. Ils ont super confiance, les gars. Hein. Ils sont là, quatre pattes. Hein. J'ai le truc au-dessus de leur gueule. Hein. Si je fais un faux mouvement, adios, les maçons. On est pas mal là, non? Ça dit quoi, charpentier? C'est pas mal leur truc là, ouais. C'est vissé. Voilà les deux premiers haches posées. Et on est reparti pour le troisième. Dans quel sens il est? Dans le premier. Ok, comme ça, comme le premier. C'est parti pour le troisième. Thank you.
Ok. Et ça va aller vite leur truc aussi là, hein. Ben, je ne sais rien parce que je ne sais pas ce qui va par-dessus, mais ça a l'air de... Ça a l'air de se monter, oui. Bon, après, il leur faut la grue, quoi. Parce que ça, la main, ils sont baisés. C'est des gars qui peuvent travailler qu'avec une grue, quoi. Presque lâché là. Bon, mais ça change un peu. Ça change des banches et du béton un peu, ouais. Soulever des poteaux en ferraille.
groupe, le quatrième. Ok, boulonne le premier. Et bien, il visse tout à la main, quoi. À l'ancienne, les gars. C'est bon, hein? C'est très penché quand même. Non, c'est pas celui-là qui est vers moi que je le vois mieux, mais il doit pencher comme les autres. Hein. Ah ben c'est quelque chose leur truc là. Ouais. De ce qu'ils ont amené ce matin, il y en a d'autres, des haches comme ça là. Et je pense pas que ce soit pour mon côté. Je pense que c'est pour la suite, pour le collègue. Bon, je pense, parce que sinon je vois pas où ça va. Il est bien là.